fini, quand ça commence? Ben là, ça a commencé, mais je recadre. Ça enregistre? Ouais. Ok, alors, première ouverture de boîte. C'est pour un micro Apex, un micro statique, un 435B. Donc j'ai acheté ça pour faire les vidéos, avoir une meilleure qualité. Et pourquoi pas des podcasts. Je fais un petit peu de musique aussi, donc du coup, pourquoi pas pour m'enregistrer en acoustique. Donc on va ouvrir cette jolie boîte. Donc ouverture de la jolie boîte. Là, elle est arrivée par chez Michelon. L'emballage impeccable. Apex, hop, jolie mallette. Les trois explications. Donc je ne l'ai pas encore ouvert. Poney anti-pop pour le mettre sur un trépied, adaptateur. L'araignée. Ah bah, je suis étonné parce que l'araignée elle est tout en métal. Alors c'est la première fois que j'achète un micro statique. Bon bah tout en métal. Sur élastique, impeccable. Donc, voilà, ça marche bien. Deux pinces pour ouvrir et puis glisser le micro dedans. Ensuite le micro en soi-même, belle pochette. Ah bah déjà c'est lourd, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai d'habitude. Tout en métal, très joli. Voilà, la bonnette. Bon, anti-pop. Voilà, un petit peu écrasé dans la boîte quand même. Il faudra la travailler un peu. Après j'ai acheté un autre anti-pop, hein, comme ça, un externe qui sera mieux. Et puis après pour l'installation, on l'a réglé. Donc voilà, impeccable. Plus qu'à la fixer sur un pied. Donc voilà, bah, je suis très content. Micro, j'ai choisi parce que je regardais chez les sondiers. Ils ont parlé de ce micro qui était a priori très bien et très résistant. Ça fait très longtemps qu'ils s'en servent. Démonstration à la fin de la vidéo sur le son. Ok, petit test pour montrer un petit peu le résultat entre un micro statique et un micro dynamique. Ceci est un micro dynamique. C'est un Thomann, une imitation Shure, qui marche très très bien, mais que pour le chant. Je t'ai pas dit que j'avais commencé. Depuis tout à l'heure, tu me le dis pas. Ouais, mais toi, tu me demandes à chaque fois. Et à chaque fois, tu me dis j'ai déjà mis. Ouais. C'est bon ? Tu as démarré là ? Oui. Tu vois bien la tronche ? Oui. C'est pas flou ? Non. C'est bon. Donc, c'est du micro statique Apex 435B. Donc, on voit que ça marche bien. Bon, après, il faut que je règle les sons un peu parce que je connais pas trop, mais une fois qu'on est bien dedans, ça marche impeccable. C'est beaucoup plus puissant que l'autre.